Bonjour tout le monde. Alors, je suis vraiment très contente aujourd'hui de vous retrouver pour la présentation de cet album. Alors, il s'agit de mon partenariat avec Ninon, la boutique Horizon Créatif. Je vous avais présenté il y a quelque temps le kit de ce papier. Hier, je vous ai fait une petite vidéo. Hier ou avant-hier, je ne sais plus comment on vit moi. Je vous ai présenté tous mes vœux et je vous avais dit que je travaillais sur cet album. Alors, comme j'étais seule pour le réveillon, j'ai pu enfin terminer mon projet. Je suis très contente de pouvoir vous le montrer parce que ça me tenait à cœur de le finir là pendant mes jours de repos pour le réveillon. Donc voilà, c'est enfin fini. Alors, je vous rappelle que pour ce partenariat, Ninon m'avait fourni deux grands blocs 30-30 qui sont composés, je crois, de 11 papiers, si ma mémoire est bonne. Il y avait 12 en tout, mais il y a dedans une page avec des cartes et une page de stickers. Elle m'avait fourni également un bloc au format, je crois que c'est A6, ou A6 ou A5, je ne sais plus. Ça fait 18, 20 par 16, quelque chose comme ça. Donc c'est le format A6. Elle m'avait fourni également ce papier, ces papiers unis, on en a 6, donc ces 6 couleurs-là, avec un papier recto verso. Voilà. Il y avait donc dans le kit de papier 30-30 ces stickers. Alors, vous voyez, j'en ai utilisé dans l'album, mais pas tous, parce que j'en conserve. J'ai un autre projet. Alors, j'avais peur de manquer de papier pour cet album. Je n'ai pas fait beaucoup d'interactions. Je voulais pouvoir mettre pas mal de photos tout en faisant attention de ne pas manquer de papier pour ne pas avoir à en racheter, réussir le challenge de le faire avec. Et au final, il me reste plusieurs pages du papier A6 et 4 pages, je crois. 3 ou 4, 3 pages du papier 30-30. Donc, je vais réaliser par la suite un petit projet, un genre de petit album ou petit folio avec ce qui reste. Ça fera partie également de mon partenariat et je vous le présenterai dès qu'il sera terminé. Bien évidemment, je vais m'en attaquer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, pour l'instant, on va vous présenter ce petit bijou. Voilà. Alors, c'est pas un papier que j'aurais forcément choisi moi, puisqu'il. Alors, c'est des couleurs que j'aime. Hein. Ce sont des couleurs douces, mais il y a aussi du noir fleuri. Alors, malgré que j'aime le noir, tout un billet en noir pour les albums, pas trop, et je ne l'aurais pas forcément choisi parce qu'elle est chargée, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le réaliser. Et il y a des papiers qui sont vraiment très jolis, certains que j'aime beaucoup plus que d'autres. Alors, on avait également dans ce lot, dans le papier 30-30, une feuille avec des petits tags. Oui, j'en ai découpé, je les ai pas mis à l'intérieur, mais je vais en mettre à l'intérieur de cet album et je vais en conserver pour le petit projet avec le reste de papier. Voilà. J'avais peur d'en manquer et en fait j'aurais pu faire plus d'interactions parce qu'il m'en reste. Mais bon, je préférais qu'il m'en reste que d'en manquer. Alors voilà, sur ma couverture, j'ai réalisé une shaker card. Vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer, mais j'ai mis donc un papier, un des die cuts de la collection, un die cut mais cartonné plus épais que j'ai mis dessus. J'ai mis du glossy accent sur, alors je ne sais pas si on va le voir comme ça, voilà, sur les écrans. Sur les cadrans, par contre, de la montre goussée, sur celle-ci aussi. Et j'en ai mis également sur le die cut carton Love. J'en ai mis sur les lettres. Voilà, là, comme ça, on arrive à le voir. J'ai mis également un petit papillon en 3D, les petits cœurs die cut cartonnés que j'ai mis là également. Il n'y avait pas besoin de plus sur cette couverture pour qu'elle soit jolie. Alors, sur ma tranche, je vais réaliser un bijou d'album. Je vous ferai une photo. Quand je fais la publication des photos sur ma page et sur le groupe de Ninon, le bijou album sera mis. C'est que là, je n'ai pas fait, j'ai pas eu le temps de le faire hier soir. J'ai arrêté cet album très très tard puisque je me suis couchée encore à 2h30 du matin. Mais au moins, il est fini, sauf le bijou. Donc, je le ferai dans la journée et je publierai les photos par la suite. Voilà le dos de cet album, très simple. Pareil, il me reste à mettre mon étiquette réalisée, fait main avec amour. Voilà. Et il est fermé par deux rubans. Donc, dans les tons rose et blanc. J'aurais aimé avoir un ruban vert d'eau un peu, mais j'en avais pas, donc j'ai mis du blanc et du rose. Sinon, j'aurais mis un rose et un vert d'eau. Voilà, on va ouvrir ce petit bijou. Hop, je fais attention de rien accrocher. Et je vais essayer de rester dans le champ. Alors, cet album mesure 22 cm par 22, si ma mémoire est bonne. Ça doit être ça.
Vous aurez de toute façon tous les détails dans le tuto. Mais c'est ça, il doit faire 20, oui, c'est ça, 22 par 22 pour la couverture. Et les pages font 20,5 par 20,5. Alors, sur ma page de ma couverture de présentation, j'ai mis ce joli papier. Je suis venue mettre en 3D ce petit papillon. Celui-ci, c'est un des stickers. Le mot love vient de la feuille de stickers, donc de cette feuille. Le stylo plume, pareil, vient de la planche de stickers. À l'intérieur, oh là là. Alors, j'espère que la luminosité n'est pas trop mauvaise, parce qu'il fait un peu gris aujourd'hui à Clermont, il ne pleut pas, mais il n'y a pas de soleil. Voilà. Alors, sur ma couverture, j'ai ici deux espaces photo. Je vais vous chercher tout de suite mon espace photo. Alors, cet album est réalisé pour les photos 10-15 et il y a quelques photos en 13-18. Alors, sur les pages 13-18, on peut également mettre deux photos 9-13. Ça, ce sont mes gabarits que moi j'ai. Je vais pouvoir vous montrer ici. Alors, les die cuts ne sont pas collés, ils sont collés qu'au milieu, de façon à pouvoir venir insérer la photo sur les espaces photo correctement, comme ceci. Voilà. À l'intérieur de la pochette, on retrouve un livret double. Alors, mes livrets ne sont pas matés, puisque je n'ai plus du tout de papier rose. Vous verrez dans le tuto, pour les quatre espaces photos de mes deux couvertures, j'ai dû utiliser, alors c'est le même papier, c'est du papier Florence de chez Ninon, la même couleur rose, mais celui-ci est texturé, c'est un reste que j'avais d'un autre album, puisque je n'avais plus du tout de papier. Alors, pour réaliser cet album, comme je l'ai réalisé, il vous faudra, que Ninon m'avait fourni également avec tout le lot de papier, un bloc de papier Florence en 30-30, je crois il y a 20 feuilles dedans, j'ai tout utilisé et j'étais en rade pour la couverture. Donc j'ai utilisé, je vous dis, ces deux feuilles de la même couleur, mais texturées, qui me restaient d'un autre album. Donc vous saurez que pour cet album, il vous faut sur un paquet de 20 pages roses, et si vous ne voulez pas utiliser d'autres papiers, il vous faudra en acquérir un deuxième, ou alors vous mettez un autre papier de matage. J'aurais pu aussi mettre les papiers unis de la collection, puisqu'il me reste 3 feuilles unies de cette collection que j'ai conservée pour le deuxième projet. Mais j'ai préféré rester dans le rose, donc j'ai dans le même papier, donc j'ai mis celui-ci. Voilà, donc tous mes livrets à l'intérieur ne sont pas matés. Et vous voyez, j'ai même oublié de mettre mes tampons. Je me suis tellement précipitée hier soir pour le finir. J'ai dit, il faut que je le présente ce matin. Mais j'en ai oublié de mettre mes tamponnages aux endroits photos. Une petite carte de la collection que j'ai matée en papier rose dans les chutes. Pour le journaling. Elles sont vraiment très belles, ces petites cartes. Alors, ça sont également tous les die cuts de la collection que j'ai mis dessus. Sur ma première page, donc on trouve encore un die cut fourni dans le kit. J'aimerais que je sais pas s'il y a de l'ombre. On a un espace photo comme ceci. Ici, on retrouve un espace photo format. Donc, oui, au format 10-15. Ici, on a un espace photo au format 13-18. Derrière, j'ai mis un petit stop. Donc, soit on vient y glisser une photo 10-15 comme ceci. Soit on peut toujours y mettre une photo 13-18, mais du fait qu'il y a le die cut. Ah si, parce que mon format, là, il fait 14-19. Et moi, j'ai mis le petit die cut pour pouvoir venir y glisser une photo 10-15 comme ceci. Et on peut remettre une photo soit au format 13-18 ici en dessous, soit une plus petite pour ne pas cacher tout le papier, une photo 10-15. Alors moi, c'est vrai qu'il y a plein de scrapeuses qui font des albums avec des petites tailles de photos. Moi, je n'aime pas, j'aime bien que mes photos fassent minimum 10-15. Il m'est arrivé d'en faire au format 9-13 quand je fais avec des albums 15-15, parce que là, on n'a pas le choix, mais je préfère les formats 10-15. Alors, ma page, le dos de ma première page, on a ici une cascade, enfin des rabats comme ceci, avec ce magnifique papier. Donc, on a un espace photo comme ceci, un vers le bas, de nouveau un vers le haut et un vers le bas. Et j'ai mis une petite carte matée à l'intérieur pour le journaling. Et on peut bien évidemment venir remettre une photo 10-15 entre nos deux rabats. Alors, je ne mets pas d'espace photo rose, bon, déjà j'en ai plus, mais même si j'en avais, je ne l'aurais pas mis pour ne pas cacher le papier. Et libre après de mettre une photo quand même en la mettant directement sur la page ou de ne pas en mettre pour laisser la place au papier. Là, on referme l'un après l'autre les rabats et le tout est bien sûr aimanté. Ah, je voulais remettre la petite carte. Alors, cette page s'ouvre également vers le haut. Ça va être compliqué.
J'ai oublié de remettre la petite carte de l'autre côté. Je vais la remettre tout de suite en place. Sinon, après, je ne sais plus où ça va. Je vais être obligée de descendre. Voilà. Alors, sur cette page, nous avons, on va déjà montrer le bas, une pochette dans laquelle on retrouve et un livret double, toujours au format pour les photos 10-15, une petite carte de la collection Maté pour le journaling. On a les die-cuts de la collection en décor. Vous voyez, quand j'ai les papiers foncés, je les utilisais uniquement en intérieur. Je ne me voyais pas les mettre sur mes pages de dessus. Je voulais que cet album reste dans la douceur. Donc, j'ai utilisé le papier foncé en intérieur. Excusez-moi. Et ben voilà. Je vous demande pardon. Et donc, je l'ai adouci avec le papier rose. Deux espaces photos ici. On peut mettre toujours évidemment une photo 10-15 en dessous sans qu'elle soit vue. Comme ça, toutes mes photos sont... Ah, décidément, je vous demande pardon. Toutes mes photos sont cachées comme ça. Et on laisse quand même la part belle au papier. Alors, on revient dans le champ. Page suivante. Alors ici, j'ai mis une carte qui est aimantée sur le dessus de ma page qu'on peut très bien... Décidément... Je vous demande pardon, je suis partie pour cette crise d'éternuement. Alors, on peut très bien ne pas la mettre. Moi, j'adore ce papier. Alors, j'ai utilisé cette page avec la même page que ce motif-là, en fait, mais en 30-30, que j'ai découpé pour utiliser sur ma page et à l'intérieur. On retrouve un petit... Je suis vraiment désolée. On retrouve un petit die-cut de la collection. Ici, on a deux espaces photos, toujours au format 10-15, bien évidemment. On a de nouveau un espace photo ici, c'est-à-dire que ce rabat s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et tout est aimanté comme d'habitude. Toujours une photo 10-15. Je suis vraiment désolée. Et donc une pochette sur le bas de la page. Si je remonte, ça sera mieux. Avec toujours un livret double. Et une carte de la collection pour le journaling. Le rabat est aimanté et la petite carte double également. Bon, là, je n'ai pas maté puisque je n'ai plus de papier. Il faut que je recommande du papier rose chez Ninon pour mater mon petit livret. Voilà. Ensuite, sur le dos de cette page, on se retrouve avec... Donc ici, sur le dos de cette page, nous avons une cascade comme ceci, un dérabat plutôt, alors avec ces magnifiques cartes de la collection, j'adore. Et également deux rabats à l'intérieur. Alors, je n'ai pas compté le nombre de photos pour cet album, on le fera après ensemble. Ici, on peut venir mettre une photo 10-15, soit verticale. Elle sera cachée de toute façon, regardez, par les rabats, on ne la verra pas. Ou soit on la met à l'horizontale, on peut en mettre deux ici. Et elle se chevaucherait juste un petit peu sur le bas de la photo. Ça permet de remettre deux photos supplémentaires. Ensuite, ce rabat s'ouvre également comme ceci. Alors, sur ma page principale, on a une bande passante, une petite tag de la collection pour faire un stop. Le mot vient également de la planche de die-cut. Une carte double. Bon, d'ailleurs, soit la carte double, soit vous la passez sous la bande passante, soit vous la passez dessus comme j'avais fait tout de suite. Et la petite, carte de la collection qui est matée pour le journaling, toujours. Sur la page de gauche, il faut que je décale à chaque fois, on a deux espaces photos comme ceci et comme ceci. Et bien évidemment, on peut toujours venir en mettre un en dessous. Page suivante, toujours ces magnifiques cartes de la collection. Alors, il y avait dans la collection, vous avez une planche avec, avec les cartes. Et on a quatre cartes horizontales et seulement deux cartes verticales, celle-ci et celle-ci. C'est les deux seules qu'on a à la verticale et on en a quatre à l'horizontale. Mais ma préférée, c'était celle-ci, pour ça qu'on la retrouve deux fois sur, sur les pages. Alors, on a un espace photo comme ceci. Un autre là, une petite pochette dans laquelle on retrouve toujours
un livret double, toujours au format photo 10-15, et une petite carte de la collection qui est matée, toujours pour le journaling. Et le tout, bien évidemment, est aimanté. Au dos de cette page, on a une bande passante derrière laquelle on trouve un grand livret au format 13-18. Alors, je vous disais tout à l'heure sur les livrets au format 13-18. Alors là, mon die cut n'est pas collé à fond de façon à pouvoir venir glisser derrière une photo 10-15. Et à l'intérieur, soit vous mettez des photos 13-18, soit on peut simplement mettre une photo 10-15 dans le milieu, ou alors on vient y mettre deux photos au format 9-13. Les deux photos 9-13 tiennent sur cette page. Donc, ça nous en ferait 4 si on met des 9-13. Hop, on remet notre livret en place. Ici, nous avons un rabat. Alors, le seul qui n'est pas maté, puisque je n'ai plus de papier, bien évidemment. Donc, il faut que je passe ma commande chez Ninon pour pouvoir mater l'intérieur de ce dépliant. Voilà, on a donc ici encore 1, 2, 3, 4 photos. Cette page s'ouvre également comme ceci. On y retrouve une pochette, alors toujours les die cuts de la collection, une pochette double, un livret double, pardon, pour les photos, toujours une petite carte de la collection pour le journaling, et sur la page de gauche, on retrouve deux espaces photos comme ceci. Et bien évidemment, comme sur les autres pages, on peut venir en mettre un à l'intérieur. Enfin, un espace photo ou une photo. Notre quatrième page, on retrouve une petite cascade décalée comme ceci. Donc, cette magnifique page, carte, pardon, à la verticale. Je vous dis, il y en a deux. Hein, c'était celle avec... Non, trois, pardon. Je disais tout à l'heure, il y en avait deux. Non, deux verticales. Celle-ci et celle-ci. Et à l'horizontale, c'était celle-là, ma préférée. Donc là, on retrouve une petite cascade comme ceci, toujours au format 10-15. Également ici, alors on peut mettre une photo ici. Moi, je n'ai pas mis de papier pour ne pas cacher ce joli papier, mais on peut très bien la mettre directement dessus ou laisser la part belle au papier. Tout dépend du nombre de photos qu'on a à mettre dans l'album. Sur le dos de cette page, on retrouve cette magnifique page. Alors celle-ci, c'est une des pages du bloc A6. À 6 ou à 5, je ne sais vraiment plus quelle taille c'est, mais je crois que c'est à 6. Alors, je l'ai légèrement recoupé en hauteur et en largeur, mais vous verrez, je vous l'explique dans le tuto, puisque mon rabat fait 14-19, et donc les pages font 15-20, quelque chose comme ça. Donc ici, toujours la place pour soit une photo 13-19, 13-18, soit deux photos 9-13. Ce rabat se lève également comme ceci, où on retrouve toujours un espace photo derrière lequel j'ai mis un petit die cut pour pouvoir venir y glisser une photo au format 10-15 comme ceci. Et moi, j'ai glissé une petite carte de la collection pour le journaling. Hop. Ici, on retrouve une pochette que j'ai décidé de couper en biais. On a bien le raccord de notre papier. À l'intérieur, toujours un livret double au format 11-16 et une petite carte, toujours pour le journaling. Alors on peut largement rajouter des livrets dans les pochettes. Vous voyez, on a largement la place pour rajouter soit des photos toutes seules ou soit refaire des livrets. Je n'en ai pas fait plus parce que sinon je vais manquer de papier et que je veux conserver ce qui me reste pour le second projet que je vais réaliser avec ce partenariat. Mais on peut rajouter aisément des autres livrets à l'intérieur. Le dos de cette page, on retrouve toujours une pochette dans laquelle on retrouve un livret double, toujours, et une carte de la collection pour le journaling, toujours les petits die cuts de la collection. Vous voyez, j'ai arrangé chaque page où j'ai mis le papier noir, dont les quatre pages intérieures ont du papier noir, noir fleuri, et avec, je l'ai passé sur une page du papier rose et sur la page d'à côté du papier vert, et j'ai alterné de façon à ne pas avoir toujours le même décor quand même en intérieur de page. Ici, on retrouve toujours deux espaces photos comme ceci, avec toujours, bien sûr, la possibilité. D'ailleurs, j'ai une 10-15, on peut très bien mettre une photo 13-18 à l'intérieur. La seule chose, c'est qu'elle dépasserait un peu du rabat. Donc, moi, je conseille les photos 10-15. Comme ça, toutes nos photos sont cachées.
Et on arrive à la page de couverture, donc avec ce magnifique papier. Alors, ce papier, j'explique dans le tuto, c'est celui que je voulais mettre à la base sur ma couverture de présentation. Mais je me suis dit, comme il était joli, c'était dommage de le cacher avec autre chose. Et je n'aurais pas vu quoi d'autre y ajouter. À part des fleurs, j'aurais pu mettre des fleurs sur le côté. Mais comme vous connaissez, je n'aime pas le vert. Donc, je ne voulais pas avoir une présentation verte sur ma couverture. Donc, c'est pourquoi j'ai octroyé ce papier rose à l'extérieur. Il y a du vert, mais pas que du vert. Voilà. Et j'ai quand même mis ces oiseaux que je trouvais, entre guillemets, magnifiques. Voilà, donc revenons-en à nos moutons avec notre couverture finale. Toujours les petits die-cuts de la collection mis en 3D. Là, c'est le die-cut cartonné que j'ai collé à plat. Et ce papier est magnifique, il n'y a pas besoin d'y rajouter grand-chose en fait. Et à l'intérieur, on retrouve la même chose que sur la page de présentation, la couverture de présentation. On a une pochette avec toujours un livret double, toujours au même format 11-16. Une petite carte pour le journaling, une seconde. Sont magnifiques ces petites cartes. Toujours les die cuts de la collection. Alors là, je ne les ai pas mis en 3D, je les ai collés à plat puisqu'on a le rabat de la couverture. Il faut laisser la place pour les photos. Et ici, toujours nos deux espaces photos pour les photos 10-15. Vous voyez, mon die cut ne gêne pas la mise en place de la photo. Il n'est collé que sur l'intervalle des deux photos. Je vais y arriver. J'aurais pu mettre des die cuts d'ailleurs sur le côté pour glisser la photo. Mais comme ici on a un papier décoré, je préférerais mettre mon die cut au milieu et venir glisser la photo dessous comme ceci. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le travailler, même si c'était compliqué par rapport à mon organisation. Mais là j'ai vraiment profité de mon week-end du Nouvel An où j'étais seule pour pouvoir travailler sur cet album. Et j'adore. J'hésitais pour la couverture hein, avec le papier avec les oiseaux. Mais je me suis dit qu'au final, j'allais les mettre dans cette petite carte parce que dans les die-cuts que Nino m'a fournis, il y a une pochette avec plein de die-cuts cartonnés, de cadres en fait. Et c'est celui que j'ai choisi puisque les oiseaux rentraient parfaitement dedans. Et vous voyez, et les choses que j'ai mis à l'intérieur de mon shaker viennent également de la boutique de chez Nino. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Je vous ferai la photo avec, enfin les photos que je publierai sur le groupe de Nino et sur ma page Facebook avec le bijou d'album que je vais réaliser tout à l'heure. Mais j'étais trop pressée de vous présenter cet album ce matin pendant que j'en avais le temps. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. À toutes et à tous, pardon, une très bonne journée. Je vais trop vite et je bafouille. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cet album, cette vidéo. À me laisser vos commentaires. Et je vous dis à très vite. Ah, dernière petite chose, j'ai oublié de compter avec vous le nombre de photos pour cet album. Donc, on va le faire de suite. Sinon, je vais encore oublier. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, je ne compte jamais les dos de mes pochettes, des livrets. Je ne compte que l'intérieur. Mais savoir que vous pouvez en rajouter une, bien évidemment, derrière chaque livret. Ici, c'est pareil, une photo 10-15 tient largement. Vous voyez, devant mes pochettes, on peut toujours rajouter une photo 10-15 ou une photo 9-13. Moi, je n'en compte pas. Je ne compte que les espaces photos. Alors, on est à 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là, je ne compte pas parce que c'est le dessus, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dans le livret, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Alors, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70. Alors, 71. J'arrive à t'ouvrir, toi. 72, 73, 74, 75. 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 et 2, 86. Voilà, on est à 86 photos sans compter le dos des cartes, puisque bien évidemment, on peut en rajouter et on peut, comme je vous l'ai dit, rajouter des livrets à l'intérieur de nos pochettes. Toutes les pochettes peuvent contenir largement deux livrets, à savoir que d'ailleurs, c'est ce que je fais d'habitude dans mes albums, je mets deux livrets par pochette. Et là, comme je manquais de papier rose, je n'en ai pas réalisé plus, mais je vais recommander du papier chez Ninon pour les pouvoir en remettre. Donc, on est déjà quand même à 87 photos pour ce petit album au format 22 par 22. Voilà, cette fois, je vous laisse. C'est terminé. Je vais arrêter mon bavardage. Et je vous dis à très vite avec d'autres créations. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci de m'avoir suivi et à très vite. Au revoir.